Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2024 et je suis dans la commune d'Anyama. Là, il y a un bon moment, je vous avais montré l'échangeur qui est en cours de construction au niveau de la morgue d'Anyama. Avant l'inauguration, avant le lancement officiel de la CAN, la voie n'était pas encore praticable. Mais aujourd'hui, je vais venir vous montrer l'état d'avancement des travaux de la construction de l'échangeur qui avance à grands pas. Le jour de l'ouverture du match de la CAN, c'est par ici que le président de la République a passé pour se rendre au stade olympique de Bempe. Donc s'il a passé par là, ce qui veut dire qu'il y a maintenant une voie qui relie jusqu'au stade. Donc je vais vous montrer cela dans cette vidéo. Donc restez connectés jusqu'à la fin du reportage. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour donner plus de visibilité à la chaîne. C'est votre manière de soutenir le créateur. Et n'oubliez pas de faire un tour dans la boutique de la chaîne pour effectuer vos achats. En achetant, vous aidez le créateur à acquérir de nouveaux équipements et pour vous produire des vidéos de haute qualité et toujours être présent sur le terrain pour vous fournir des vidéos. Donc si vous voyez si les produits s'affichent sur la vidéo, cliquez sur le bouton bleu shopping pour acheter le produit directement. Pour les personnes qui ne voient pas le bouton bleu shopping, allez-y dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien qui va vous rediriger directement vers le magasin pour que vous puissiez effectuer votre achat. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci à toutes les personnes qui font la prise de vue. Sans vous, la chaîne n'est rien. Vous êtes le cœur battant de cette chaîne. Donc merci, merci à vous et restez connectés, soutenez le créateur. N'hésitez pas à donner vos impressions aussi dans les commentaires. Lorsque vous regardez une vidéo, ce que vous avez à dire, si vous avez des remarques ou autres, vous pouvez le dire dans le commentaire. L'objectif aussi, c'est d'apporter notre contribution. Hein. Ils font leur travail, mais nous aussi, quand on regarde les vidéos, on peut faire des propositions. Peut-être qu'il y a des trucs qui n'ont pas pensé à cela. Donc, quand on regarde aussi, on peut leur proposer cela pour voir, pour combiner nos forces. Donc, il ne s'agit pas de regarder les vidéos seulement, mais proposons aussi des idées pour notre bien-être. Parce que c'est pour nous, on le fait. Mais il y a certaines choses ici que nous, on a besoin de ça. S'ils n'ont pas programmé ces choses-là, nous pouvons dénoncer cela, ou bien pas dénoncer, mais nous pouvons faire la proposition pour qu'ils prennent ça en compte. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, les voies dans les croisements de l'échangeur ont commencé à apparaître. Ça, c'est un travail vraiment passionnant. Lorsqu'ils sont en train de faire leur truc, vous ne comprenez rien dedans. Vous ne voyez rien. C'est la beauté et la beauté du travail sort lorsque c'est fini. Quand c'est pas fini, on ne comprend rien dedans. Hein. Les gens disent, oh, mais ils font quoi, ils font quoi. Vous avez vu, les voies de raccordement ont commencé à apparaître. Mais quelques jours, dans la vidéo que je vous ai présentée avant celle-là, vous allez voir, on ne voyait rien du tout. On ne voyait que l'échangeur qui est là, qui était déjà fini, que les voitures circulaient dessus. Mais ces voies de raccordement-là n'apparaissaient pas d'abord. Donc, restez connectés à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour voir l'énorme travail qui est en train de se faire ici, pour suivre les travaux du début jusqu'à la fin. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de souscrire à la chaîne. Si vous souscrivez à la chaîne, vous permettrez aux créateurs d'avoir le moyen de s'acquérir des équipements de haute qualité pour pouvoir vous fournir aussi des vidéos de haute qualité et avoir la force aussi de continuer à créer des contenus.
la création de contenu aussi, il faut le courage et la force. Donc c'est la Y4 qui a donné naissance à cet échangeur au niveau de la morgue d'Anyama.
on va de là, on va directement au stade olympique de Bempe. Stade olympique de Bempe. Et là, comme ça, en passant sous le pont, vous partez directement à Cocody.